Yo tout le monde, c'est Loé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2019 Lille-Bordeaux. Sur ce, beau visionnage! Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureux de vous accueillir pour cette belle soirée de football. Enfin, belle soirée, façon de parler, car on nous annonce de la pluie dans les minutes qui viennent. Pour l'instant, les deux équipes en sont épargnées. Elles vont pénétrer sur la pelouse dans quelques minutes. Le temps pour nous de vous communiquer l'info principale que vous attendez tous, la composition de ces deux groupes. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf. C'est parfait pour ce match. Et on rentre dans le vif du sujet. Lille qui peut avancer. Allez. Il s'échappe côté droit. Il y a peut-être un coup à jouer. Il l'a vu. C'est dégagé loin devant. Les ragueurs. Long ballon dans le sens du jeu.
Lille, qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Le bon dribble. Un centre Forlan. Ce sera le premier corner du match. Allez, de la tête! Oh, quel coup de tête! Mais ce n'est pas cadré. Le débordement à droite, il est passé. Il cherche à le... Et cette tête! C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Lille profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, leur axe n'était pas brillant non plus. Ils s'en sortent plutôt bien, je dirais. Germano. Bordeaux qui semble jouer davantage sur les ailes en ce moment. Oui, c'est vrai, on le voit bien d'ailleurs depuis notre poste commentateur. Mais dans quel but à votre avis Darren? Je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc parce que c'est quand même très compact en face. Oui, bonne intervention de la défense. Malcolm. Ça va très vite, sur le côté gauche. Il progresse encore. Le soutien derrière lui. Il est bien placé. Allez, jusqu'au bout! Ce sera une remise en jeu. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est parti. Oh, la tête! Et il manque le geste décisif. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Lille qui affiche une défense solide ces derniers temps. Un long ballon vers l'avant. C'est joué long, attention. Il prend sa chance. Oh, quel bel arrêt! Quelle classe! C'était un arrêt extraordinaire! Danger repoussé pour le moment. Ça va vite, oh, s'il lève la tête. Bien servi. Il la tente. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Otavio, qui au match précédent avait été passeur décisif sur l'ouverture du score de son équipe. Il relance côté droit. Kayic. Il passe en retrait au gardien. Ça joue long vers l'avant. C'est une remise en jeu. Il file côté droit. Le bon dribble. Dans la boîte. Le bon dégagement. Et l'arbitre accorde 1-6 mètres.
Un bon ballon vers le côté. Il choisit la profondeur. Camano reçoit le ballon. Camano centre à ras de terre. Contento. C'est reparti, ils peuvent contrer. C'est bien ce qu'il fait là. Ouf, un peu d'air. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. La bonne passe. Cette attaque n'a pas pu se développer. Mendy. C'est récupéré facilement. Et la porte s'est refermée. Ça joue à gauche. Il va frapper. Va-t-il en profiter? Forlan, la relance, côté droit. Il est sur le côté. Il est servi. Oh, la frappe! Oh, but pour Lille! Et c'est un but très très important. Ça y est, ce match est vraiment lancé. Tout est magnifique dans ce but. Elle fait du bien, cette ouverture du score. Ils ont marqué ce but que les fans attendaient. Maintenant, ils vont devoir protéger leur avance. Otavio. Voilà qui met un terme à cette première période. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. À l'arrivée, que retenir de cette première partie de match? Oui, et c'est une avance logique, même si le score aurait pu être bien plus lourd. Le nombre d'occasions qu'ils ont eues. Avec un peu plus de réussite en seconde période, ça pourrait donner une large victoire. Un seul petit but d'écart entre les deux. Coup d'envoi de la seconde période. Et voilà une avance qu'il va falloir défendre maintenant. Et pourquoi pas tenter de faire le break rapidement? La passe dans la profondeur. Dans le bon tempo, c'était limite, c'est vrai, mais il n'y avait pas en jeu. Lille qui cherche l'étincelle. Sur l'aile gauche et il a du soutien. Il est passé dans la surface. C'est dégagé. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Bordeaux qui doit sans doute sa dernière victoire au coaching de son entraîneur. Oui, enfin, le mérite en revient aussi à ses joueurs. Hein. Parce que passer à trois défenseurs en plein milieu de match, c'est pas évident. Il a trébuché sur cette intervention. Malcolm, il préfère le jouer court. L'interception, bien joué. Oh, c'est chaud là! Attention, la frappe! Pour trouver la faille dans la défense. La passe interceptée. Il écarte sur l'aile. Camano, il a de l'espace. Il décide d'allonger le jeu. Ça peut être extrêmement dangereux. Forlan.
ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça, expliquez-nous. Ben, ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Les ragueurs, ils glissent le ballon en profondeur. Ce contre peut très bien aller au bout. Il tente de la jouer dans l'espace. Il est à distance de tir. Il tire. Et oui, but ! Ils creusent l'écart. Ils ont maintenant 2 buts d'avance. Ça, c'est du jeu collectif. Ils passent de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. 2 buts déjà dans ce match. Le break est fait, on est reparti. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Et ils vont effectuer cette touche. Bordeaux, qui utilise les forces de son effectif. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. On ne le met pas souvent en valeur, mais un bon marquage individuel, c'est important. Bon, il a déjà montré de quoi il était capable. Il peut frapper. C'est repoussé. Bien repoussé par le gardien. C'est un super arrêt. Fine save. Grand dégagement le plus loin possible. Balmont qui cherche à construire. Il y a peut-être un coup à jouer. Il rejoue derrière lui. La tentative ! Oh, le gardien est là, la classe ! Oui, il était bien concentré, bravo ! Oh, voici Malcolm. Le bon dribble. On joue sur l'aile, il est servi. Il est passé. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. S'il le trouve, il y a peut-être un coup à jouer. Dégagement. Le ballon a franchi la ligne. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus, alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que le voir courir jusqu'à épuisement. Il a du champ sur le côté. Centre. Il met la tête. Ils sont passés tout près du 3-0. Aïe, 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 ils auraient pu tuer le match. C'est presque impossible de remonter 3 buts de retard. Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang froid, ça va lui faire du bien. Et il tombe sous la pression. Balmont qui compte donc 2 passes décisives dans ce match. Le jeu repart vers la droite. Le bon dribble. Il y a danger. La passe est précise. La frappe ! Oh, ça aurait pu sceller le résultat.
Un peu de coaching, c'est bien. Oui, il était fini, crevé, cabo, comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. Dans la profondeur. Lille qui mène toujours 2-0. On voit mal maintenant la victoire lui échapper. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Meite. Il cherche son coéquipier. Tchouaméni. Il y a peut-être un coup à jouer. Il peut y aller. Oh, l'intervention magnifique. Oh, c'est un arrêt important, ça. Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. La défense bien présente. C'est joué long, c'est dangereux. Tamano. Mendy. Il joue dans l'espace. Quelle fait du bien cette interception. Voici Valbuena. C'est joué long, attention. Il reçoit le ballon. Tamano. Il adresse un centre rasant. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin du match. Oh, la performance exceptionnelle de la part de ces joueurs. On a vraiment de la chance d'assister à telle rencontre. Alors, votre analyse sur cette rencontre? Tous les entraîneurs aiment les matchs où on ne prend pas de but. Et si on peut en marquer un, en plus, eh bien ça donne la victoire. Vous voyez comment c'est simple, le foot? On n'a pas envie de rendre l'antenne d'arrêt, mais il le faut après avoir vécu ce magnifique match. À très bientôt pour d'autres bons moments de football. Salut Grégoire, c'est moi qui vous remercie. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et la cloche de notification. Ciao tout le monde.